Salut mes amis, vous êtes bien sur Pierre et pour tout travaux mes amis. Nickel chrome. Je vous explique comment faire la rasette tout seul. Voilà mes amis. Déjà, il faut commencer par au niveau du skimmer. Pour déterminer à combien vous voulez être par rapport au-dessus du skimmer. La norme mes amis, c'est 3 à 5 cm. Moi j'ai pris 5 cm. Donc voilà. Pour commencer, tu prends comme tu viens mettre les 5 cm que tu as pris. Tu vois, là j'ai pris 5 cm et je regarde par rapport au bleu parce qu'il faut tracer un bleu partout des niveaux, mes amis, avec un laser. Là, je suis à 74. Donc, comme je suis à 74, ce que je vais faire pour mettre ma planche, je prends une planche. Là, j'ai déjà mis en place. Je prends une planche. Je mesure d'abord par rapport au bloc, là où je vais commencer. Je mets 74 par rapport au bleu. Là, ça te détermine à combien tu vas mettre la pointe sur ta planche. Voilà, là, j'ai 6. Alors, 6 cm, je mets la pointe à 6 cm de la planche. Juste à l'extrémité, tu prends 10 cm par rapport à l'extrémité, 10 cm ou 20 cm, 20 cm par rapport à l'extrémité. Tu mets ta pointe, l'autre côté, tu fais pareil. Après, tu viens, tu les poses, ça va se mettre tout seul. Juste après, une fois que tu l'as posé, tu viens, tu regardes maintenant comme ça, à combien était par rapport au blé. Et après, tu fais pareil là-bas. Tu regardes les niveaux comme ça. Une fois que tu as tout scellé comme ça, et puis tu prends un grand niveau, tu regardes, juste que tu sois des niveaux, tu regardes de l'autre côté. Après, tu mets et ça rejoint, mes amis. Voilà, nickel chrome. Moi, je continue. Voilà la ferraille que j'ai mis moi, mes amis. Regardez. C'est le peigne, mes amis. Ça ne sert à rien de mettre la ferraille tout court parce que vous allez fragiliser les boutons, mes amis. Voilà, on continue à faire la rase, mes amis. Nickel chrome. Pierre et Paul, tout travaux en action. On envoie la sauce béchamel, mes amis. Nickel.